Mesdames et messieurs, chers amis de Léon Dioléo, merci une fois de plus de nous faire confiance. Nous nous sommes retrouvés pour parler de la République démocratique du Congo comme d'habitude. L'actualité en RDC reste dominée par les consultations initiées par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, en vue de dégager l'union sacrée de la nation. Nous allons, parce que les consultations tendent vers la fin, qu'est-ce que nous pouvons attendre de l'adresse du chef de l'État à la nation après les consultations? Est-ce la dissolution du Parlement? Est-ce la fin du mariage FCC-CACH? Est-ce la nomination d'un informateur? C'est en tout cas ce que nous allons tenter d'analyser au cours de cette émission. Et nous allons également parler d'un dossier, cette plainte déposée à la Cour constitutionnelle par Unité des Valeurs, une plainte contre Joseph Kabila. Nous allons savoir un tout petit peu quels sont les mobiles de cette plainte et pourquoi pas nous allons passer aussi en revue quelques questions d'actualité ici en République démocratique du Congo. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau aujourd'hui Maître Michel Okongo Lomena. Il est président du parti politique Unité de Valeurs. Maître Michel, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, j'aimerais que vous puissiez nous donner rapidement votre lecture par rapport aux consultations. Le chef de l'État avait entamé les consultations, tendant déjà vers la fin, c'est déjà la clôture. Nous attendons l'adresse du chef de l'État. Quelle analyse que vous avez faite de ces consultations initiées par le chef de l'État? D'abord, merci de m'avoir invité. Et je tiens à saluer d'abord le peuple congolais qui nous suit. Les consultations nationales, c'est une bonne chose, d'autant plus que l'air est grave. Notre pays est en train de traverser une période difficile, une période d'agitation. Et il était temps, il est également normal que les chefs de l'État puissent s'y arrêter et consulter. C'est ce qu'il fait. Alors, je n'ai pas de commentaires à faire parce que le souverain primaire est en train de suivre attentivement ce qui se passe, tout en espérant que, après cette période, comme dit-on, après la pluie, ce serait le beau temps. Le beau temps, c'est quoi? Le peuple s'attend, c'est qu'on puisse prendre en compte les conditions sociales, qu'on puisse prendre en compte les problèmes d'emploi et tous les maux qui minent notre pays, qu'on puisse le prendre en compte. Donc, j'imagine, et c'est mon souhait, qu'après ces consultations, qu'il y aura quelque chose, qu'il y aura gain de cause. Une petite parenthèse, le président de la République avait bien dit qu'il allait recevoir les personnalités les plus représentatives du pays. Michel Okongo n'a pas été reçu. Est-ce Michel Okongo n'est pas une personnalité représentative au pays? Non, vous savez, je vais préciser pour les Congolais, nous avons un canal par lequel nous faisons passer nos idées à la présidence. Et ça fait très longtemps que nous avons commencé. Vous m'avez entendu dire que nous avions fait parvenir un projet pilote au chef de l'État par le canal de la maison civile du chef de l'État. Nous avons également d'autres canaux que je ne peux pas dévoiler ici. Ceux qui sont consultés, ce sont les gens qui sont invités une seule fois. Et puis, donc vous êtes déjà en contact permanent avec le président de la République? Non, je dis avec le système. Avec le système. Donc nous ne voyons pas comment nous pouvons nous ranger comme les autres, d'autant plus que nos idées parviennent au chef de l'État par un canal approprié. Donc nous travaillons pour la République. Je précise que je ne fais pas partie des officiels, mais je travaille pour notre pays, donc je suis très engagé pour la République. Un travail dans l'ombre donc. En quelque sorte. Voilà, on a bien dit que l'objectif des consultations, c'était de dégager une union sacrée parce que le chef de l'État a constaté qu'il y a une crise au pays. Alors, qu'est-ce que nous devons attendre aujourd'hui? L'objectif, c'est quoi? Est-ce qu'on doit déjà parler de la dissolution de l'Assemblée nationale? On doit
parler bien évidemment avec l'adresse à la nation que nous sommes en train d'attendre à l'issue de ces consultations, la dissolution de l'Assemblée nationale, la nomination d'un nouvel informateur pour dégager une nouvelle majorité parlementaire. Est-ce que la fin de la coalition FCC cache? C'est vrai, c'est pas facile, c'est pratiquement impossible de se mettre à la place du chef de l'État ou plutôt d'accéder à la tête du chef de l'État pour savoir ce que pense et le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais il y a des attentes. Mm-hmm. Le peuple congolais veut que la coalition FCC-CACH cesse de fonctionner. C'est ce que le peuple veut. Il faudrait que les chefs de l'État puissent mettre fin à cette alliance avec les FCC, parce que les FCC, c'est un axe du mal. Et s'associer avec un axe du mal, ça veut dire que vous cautionnez tout ce que les FCC a fait pendant 18 ans, pour ne pas parler de la Kabylie qui est là depuis 21 ans. Et voilà pourquoi aujourd'hui, ça fait 20 mois que le chef de l'État est là, a pris les affaires en main. Mais les choses n'avancent pas. Pourquoi? Vous avez des gens du FCC qui sont animés d'une mauvaise foi, qui ont osé prendre les chefs de l'État et les ramener au niveau d'une autorité morale. Et lorsqu'il y a des problèmes des questions de souveraineté qui concernent ce qu'on appelle qui relève de la l'égalité du pouvoir discrétionnaire, pouvoir régalien du chef de l'État. Alors on amène ces problèmes-là, on amène l'autorité morale du FCC, qui a rabaissé le chef d'État au niveau de l'autorité morale, a discuté ensemble. Mais parce que l'alliance, l'accord a été signé entre les deux personnes quand même. Mais l'accord n'est pas au-dessus de la Constitution. Vous voyez, moi je pense que c'est une mauvaise foi. Il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que le président de la République prenne une option de rompre avec les FCC. Les FCC, c'est un axe de mal. Je suis le premier à l'avoir dit, je continue à le dire et je me réjouis du fait que certains mouvements politiques, certaines personnalités sont venus me rejoindre. Donc il était temps. Nous pensons, c'est ça les attentes du peuple congolais, qu'on commence par là. Après, nous allons envisager, à commencer par le chef de l'État, comment nous allons orienter le Congo vers une compétition l'émergence, vers la production, et puis s'occuper d'autres problèmes, les problèmes sociaux des Congolais, les problèmes d'emploi, la production, tout cela. Voilà ce que les peuples congolais attendent. Ce ne sont que des attentes. Mais encore une fois, il appartient au chef de l'État de se prononcer, et, tout en espérant que il va rejoindre l'attente ou les attentes du peuple congolais. Vous savez que ce n'est pas facile mettre fin à la coalition FCC-CACH. C'est en tout cas une belle mer à boire. Hein. Le FCC détient la majorité parlementaire. Si aujourd'hui le président de la République se décidait de mettre fin à cette coalition, on va basculer dans la cohabitation. Donc le chef de l'État n'aura pas les moyens de gérer le pays comme il le fait aujourd'hui, parce que le FCC aura à gérer tout le gouvernement, le FCC aura à gérer toutes les entreprises, le FCC aura à gérer toutes les provinces. Donc le chef de l'État n'aura pas le plein pouvoir de contrôler le pays. Ça, c'est vous qui le dites. D'autant plus que en décembre 2018, il y a eu des élections à travers lesquelles les Congolais avaient vomi les FCC. Nous savons comment les FCC avaient pris le processus électoral en otage au point de se confectionner une majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale, au Sénat et puis dans les provinces. Donc c'est dit à la fraude électorale et à la corruption. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui ne tiendra jamais, parce que les peuples congolais, les souverains primaires, ne reconnaissent pas cette majorité. Mais c'est le même peuple qui a élu ses députés FCC. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit.
Le peuple ne reconnaît pas ces gens qu'il n'a pas élus. Je vous dis que ces gens sont ici d'une fraude électorale et de la corruption. C'est comme ça que Kabila s'est affectionné cette majorité, je l'ai dit, à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales partout ailleurs. Maintenant, il faut refaire les choses correctement. C'est pourquoi je demande au chef de l'État de trouver des mécanismes, puisque les souverains primaires n'arrêtent pas de crier, dire qu'on ne se reconnaît pas dans cette majorité. Il appartient maintenant au peuple, au chef de l'État de trouver des mécanismes qui feront en sorte que les peuples congolais puissent retrouver leurs droits. Donc, c'est à lui de prendre ses responsabilités maintenant, parce que le peuple ne reconnaît pas cette majorité. Vous voyez, maintenant, il faut prendre des responsabilités. Et c'est ce qu'on attend du chef de l'État maintenant. Et Kabila, en inconscient, il sait qu'il a obtenu cette majorité par la fraude, par la corruption. Voilà pourquoi lorsque quelque chose bouge, lui aussi cherche à préserver comme une poule qui essaie de préserver ses poussins. À chaque fois lorsqu'il y a quelque chose qui bouge, il n'a pas hésité à placer des caméras lors du vote des sénateurs. Pourquoi vous allez faire ça? Ce n'est pas constitutionnel, ce n'est pas non plus démocratique. Tout cela c'est parce qu'il n'est pas sûr de cette majorité qui s'est confectionnée. Donc il est temps que les choses puissent revenir à la normale, qu'on mette les choses au clair. Ça, il appartient au chef de l'État de pouvoir le faire, qu'il prenne ce courage-là. Voilà. Le courage du chef de l'État, comme vous l'avez dit, vous avez aussi suivi Joseph Kabila faire un ballet diplomatique dans les représentations diplomatiques ici, à la SADC, en Angola, par-ci, par-là, en quelque sorte pour mettre en garde le président de la République qui est en train de menacer l'accord FCC-CACH. Ne craignez-vous pas le pire au cas où Félix Tshisekedi décidait de mettre fin à cette coalition? Ça, c'est très osé. Menacer un chef de l'État, écrire à d'autres chefs de l'État pour dire que voilà, si on mettait fin à l'action, à l'accord FCC-CACH, et voilà, il y aura des troubles incalculables. Mais ça, c'est grave. Je crois que nos services de sécurité devaient s'y pencher. Ce n'est pas normal. Le chef de l'État, c'est avant tout le citoyen numéro un de ses pieds. C'est le garant de la nation. Moi, je crois qu'il faut mettre à l'index l'ancien chef de l'État. Parce que, en fait, mais il est sénateur à vie. En même temps, il s'est arrogé, ils ont monté une loi de toutes pièces où ils se sont arrogés des primes mirobolantes. Il a, je ne sais pas, 5 bataillons chez lui, 2500 militaires. Chez lui, à Kingakati, c'est un état dans un état. Une piste d'aviation avec quelques appareils et un gros porteur. Donc, vous voyez tout ça. Ben, c'est quelqu'un qui a pillé la République, il n'est pas seul. Tout le système, c'est pourquoi j'ai toujours parlé de la Kabylie, ils ont pillé le pays. Maintenant que nous voulons aller au changement, qu'on nous laisse tranquille. Le chef de l'État devra comprendre qu'au bout de 5 ans, lui qui avait prêté serment solennellement devant le peuple congolais, devant Dieu, au bout de 5 ans, c'est lui qui aura à rendre compte auprès du peuple congolais. Donc il ne s'agira pas de la coalition FCC-CACH, parce que ce n'est pas constitutionnel. C'est un hold-up politique. C'est flagrant. C'est pourquoi il ne s'agit pas du chef de l'État. Il n'appartient pas au seul chef de l'État de s'élever. Il appartient à tous les Congolais de s'élever. En fait, de mettre fin à cette coalition qui n'arrête pas de tirer en arrière notre pays. Michel Okongo, le chef de l'État devait clôturer les consultations le mardi 24 novembre, mais nous avons appris que le 25, il avait reçu les membres du FCC juste après la date de la fin de la clôture. Est-ce que ce n'est pas une façon
de mettre de l'eau dans son vin afin de ramener toutes les choses à la normale. Je ne saurais pas commenter cette démarche. De toute façon, moi, j'encourage les chefs de l'État à prendre toutes les données, à requérir toutes les données afin de prendre une décision courageuse. Et ben, qu'importe s'il a souhaité rencontrer les FCC, ce n'est pas, et moi je ne vois pas du mal. Mais ce que nous attendons, ce sont les résolutions, les conclusions de ces consultations. Et nous souhaitons que ces conclusions puissent aller dans le sens de la rupture FCC cash, afin que les chefs de l'État reviennent entièrement vers le peuple. Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, peut-être, si l'objectif était vraiment de mettre fin à cette coalition FCC-CACH, le chef de l'État ne pouvait pas directement le faire sans pour autant passer par les consultations? Vous vous mettez dans une position difficile. Parce que là, nous parlons du chef de l'État, nous parlons de Kabila. Et je pense que nous allons avoir le moment, un petit moment pour parler des Congolais qui sont dans une situation de dépouillement total. Mm-hmm. Vous voyez, c'est très intéressant de parler des Congolais, de chercher des pistes et des solutions qui pourront nous sortir de cette crise. Maintenant, vous me posez des questions sur le chef de l'État. Je ne suis pas son conseiller, c'est vrai. J'ai eu à travailler, à collaborer avec lui dans le cadre de ma présence au sein de l'IDPS. J'ai fait 25 ans dans l'IDPS, représentant de l'IDPS en Suisse pendant une dizaine d'années, et puis représentant intérimaire en Italie. Donc, cela ne me donne pas le droit aujourd'hui de parler de l'IDPS, mm-hmm. et de parler des chefs de l'État, bien que, quand bien même qu'il est le chef de tous les Congolais. Mais nous sommes dans un moment difficile où il faut lui laisser vraiment le temps de prendre ses options en toute responsabilité. Michel Okongo, dernière question avant de passer à un autre sujet. La population, comme vous l'avez dit, et vous personnellement, vous vous attendez à la fin de la coalition FCC-CACH. Aujourd'hui, à la fin des consultations, lors de son discours, de son adresse à la nation, si le chef de l'État ne disait pas vouloir mettre fin à cette coalition, vous serez quand même déçu. Non, moi je m'abstiens de faire de ce qu'on appelle la politique fiction. J'attends que le chef de l'État se prononce pour commenter peut-être. Il n'y aura pas à condamner ou à faire quoi que ce soit, mais nous allons commenter ensemble. Et tout ce que je note, c'est que le chef de l'État, c'est un homme courageux. Il saura prendre ses responsabilités. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a compris que le FCC est un mouvement nocif et avec lequel on ne faudra pas faire route ensemble. Tout cela, il a compris. Mais pour des réalités politiques, s'il lui arrivait de maintenir cette alliance en ce moment-là, et nous en tirerons les conséquences. Quand je dis nous, c'est le peuple congolais, y compris nous-mêmes. Mm-hmm. Mais pour l'instant, permettez-moi de ne pas mettre la charrie devant le bœuf. Attendons voir. Attendons voir, parce que vous représentez aussi le peuple à travers unité des valeurs. Permettez-moi de vous poser encore une question. S'il vous a été demandé d'amener les propositions au chef de l'État à travers unité des valeurs, ça ne serait que la fin de la coalition FCC cache pas autre chose. Non, il y a pas mal de choses. J'ai parlé par exemple, vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un sérieux problème avec les institutions de Bretton Woods, mm-hmm. Banque mondiale, FMI, tout cela, et qui ne veulent pas nous donner un coup de main présentement. Nous avons nos finances qui sont asséchées, il n'y a plus rien dans le trésor public. Maintenant, pour relancer l'économie, il faut passer par la production. Alors, on n'a pas des sous. Si on était en Europe ou ailleurs, dans le système occidental, on allait passer par l'augmentation des impôts. Vous savez, chez nous, ce qui paye c'est aujourd'hui, c'est la débrouille. Donc on ne peut pas aller, quelqu'un qui a sorti sa table pour vendre des cacahuètes, vous n'allez pas
lui imposer, faire des impositions d'impôts. Alors maintenant, ce que je propose au chef de l'État, présentement, c'est d'instaurer une taxe citoyenne obligatoire, conformément à l'article 174 de notre Constitution. Avec cette taxe, le chef de l'État pourra générer, c'est une taxe qui pourra générer des fonds pour permettre au gouvernement, au chef de l'État, de pouvoir s'orienter sa politique vers la production et puis améliorer l'économie. Il faut partir de là. Je lui ai fait une autre proposition parce que nous sommes dans un pays où la culture artisanale produit beaucoup. Mais nous avons un problème d'évacuation. J'ai demandé à ce qu'on puisse mettre en place un mécanisme que j'avais défini afin que nous puissions aller au fin fond, dans les fins fonds, recueillir tous ces produits, les ramener ici, créer une espèce de centre de négoce où on peut vendre les produits et les denrées alimentaires à un prix abordable afin de donner l'accessibilité à tous les Congolais. Comme ça se passe avec Rangens en France et dans d'autres pays en Afrique du Sud, j'ai vu ça à Johannesburg également. Donc voilà les projets. Et puis, il faut passer par l'éducation de nos citoyens, donc l'éducation civique. Il faut éduquer les Congolais. Nous le faisons déjà en vie. On organise des séminaires d'éducation civique afin de renforcer la conscience nationale. Donc l'État devait s'y mettre. Je propose au chef de l'État de saisir la balle au bon pour pouvoir le faire. Donc il y a pas mal de propositions que j'ai déjà faites au chef de l'État et qui d'autres auxquelles je suis prêt à pouvoir le faire. Voilà, merci beaucoup Michel Okongo. Nous allons rapidement passer à notre deuxième sujet. Parce que vous avez dit que l'axe du mal, c'est le FCC, et le FCC qui est détenu par Joseph Kabila. J'aimerais, avant que nous puissions parler de ce deuxième sujet, que nous puissions suivre d'abord le point de presse ou l'adresse à la nation. Je peux dire que vous avez tenu en date du 25 novembre. Et puis, cet élément va nous plonger directement dans notre deuxième sujet. Chers compatriotes congolais, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au temple de l'unité des valeurs. Aujourd'hui, je viens porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'à la date du 11 novembre de cette année, j'ai été à la Cour constitutionnelle en compagnie de ma délégation réactiver la plainte pénale du 16 septembre 2011 dirigée contre Joseph Kabila Kabange, à la fois pour violation intentionnelle de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, mais aussi pour inconstitutionnalité de sa loi numéro 1100 du 20 janvier 2011 portant révision intempestive de certains articles de la Constitution de notre pays. Comme vous le savez tous, cette loi au sujet de laquelle les deux derniers cycles électoraux ont connu d'importantes restrictions en matière électorale et occasionné de nombreuses victimes collatérales. Et cette loi, disais-je, avait porté atteinte à notre démocratie, à la loi électorale et au principe de suffrage universel, notamment en restreignant les droits et libertés des citoyens congolais. La plainte dont il est question ici avait été déposée le 16 septembre 2011 à la Cour suprême de justice en vertu de l'article 223 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 qui prévoit, je cite, qu'en attendant l'installation de la Cour constitutionnelle, du Conseil d'État et de la Cour de cassation, la Cour suprême de justice exerçait les attributions leur dévolues par la présente Constitution. Fin de citation. Après sa composition et son installation définitive,
La Cour constitutionnelle avait pris l'effectivité du dossier relatif à cette cause dont la procédure est restée longtemps et toujours pendante. C'est ce qui m'a poussé à revenir à la charge pour exiger que justice soit faite. D'autre part, vouloir proposer l'élection du prochain président de la République par un mode de scrutin au second degré en faisant appel à une assemblée nationale à prédominance FCC, ici de la fraude électorale et de la corruption telle est l'essence de la campagne de sensibilisation menée actuellement par les FCC. Ce fait, mesdames et messieurs, constitue une provocation et un affront contre lesquels nous devons tous nous lever et nous battre pour éviter à notre pays de connaître une autre violation constitutionnelle pouvant porter un déséquilibre dans les institutions et des frustrations au sein de nos populations. Par ailleurs, j'ai précédemment, dans la matinée du mercredi 11 novembre, conduit la délégation d'unité de valeur direction la présidence de la République pour déposer deux pétitions qui consistaient respectivement à proposer l'élévation des milices de sécurité à la frontière entre notre pays et le Rwanda afin de protéger nos compatriotes de la partie est de la RDC contre les incursions incessantes des terroristes venant du Rwanda qui se mettent tous les jours à massacrer par milliers nos compatriotes dans le but de dépeupler toute la partie est de notre pays et de la remplacer par une population étrangère venant du Rwanda. Une deuxième pétition consistait à demander au chef de l'État d'organiser le retour au pays de tous les ex-FAS, les anciens des services de sécurité civile et militaire et les anciens de la gendarmerie nationale considérés comme étant des réservistes, lesquels ont trouvé refuge dans plusieurs pays à travers le monde, fuyant les massacres et dont ces derniers étaient menacés depuis l'arrivée de l'AFDL au pouvoir en 1997. Bien, Michel Okongo, nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention. Vous avez dit que, au cours de cette adresse, vous avez réactivé une plainte du 7 septembre 2011. Le 16 septembre 2011, vous l'avez réactivé, une plainte contre Joseph Kabila. Pourquoi porter plainte contre Joseph Kabila? Vous savez, nous sommes dans un pays démocratique. Les principes démocratiques veulent que tout citoyen congolais soit justiciable. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle Joseph Kabila Kabange qu'on ne pouvait pas rendre compte à la justice. Et vous l'avez si dit, ma plainte date du 16 septembre 2011. Pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé? En janvier, Joseph Kabila était encore président de la République. Il avait signé une loi portant révision constitutionnelle. Et cette loi, je dis, avait violé le principe de suffrage universel. On a ramené les élections de deux tours à un seul, avec toutes les conséquences que nous connaissons. Et dans les jours d'après, nous avions adressé une pétition au chef de l'État et à d'autres institutions pour demander à l'époque à Joseph Kabila de retirer sa loi ou plutôt de l'abroger. Ça n'a jamais été le cas. Eh bien, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Et c'est ce qui justifie la plainte que nous avons à cette époque-là. Nous avions adressée à la Cour constitutionnelle. Mais je vous apprends qu'on l'avait déposée
à la Cour suprême, au sein de laquelle il y avait une chambre constitutionnelle. Parce qu'à cette époque-là, la Cour constitutionnelle n'était pas encore établie. Et l'article 223 l'en autorisait. Et puis, j'estime que la procédure est pendante, parce qu'on n'a jamais tranché sur cette question. Mais encore une fois, il y a eu violation intentionnelle de la Constitution. Il y a eu également inconstitutionnalité de sa décision. Voilà pourquoi dans notre plainte, on avait demandé à ce que la Cour constitutionnelle puisse braquer un faisceau lumineux sur les différents complices de Joseph Kabila, notamment l'Assemblée nationale du temps de Minaku et le Sénat, qui étaient des complices parce qu'ils sont passés, ils ont aidé les chefs d'État à passer en force. Alors c'est tellement technique, et tout ce que j'aimerais que vous puissiez retenir, c'est que tout a été fait pendant que Kabila était encore chef de l'État. Donc, nous avons saisi la plus haute instance judiciaire de notre pays, qui est la Cour constitutionnelle, connaissant son rôle. Et aujourd'hui, sur le plan technique, nous avons écrit parquet près la Cour constitutionnelle, afin qu'ils puissent rechercher les infractions, afin de faciliter le travail à la Cour constitutionnelle, pour permettre à la Cour de pouvoir se prononcer. Parce que vous savez, lorsqu'il y a violation selon la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, je parle de l'article 75, lorsqu'un chef de l'État viole intentionnellement la Constitution, il encourt une prison à vie, à perpétuité. Donc encore une fois, ce n'est pas à nous de trancher, mais nous faisons d'abord la lecture des événements, nous faisons également la lecture des instruments juridiques, et c'est ce qu'on communique ici. Je n'irai pas plus loin que ça parce que je ne peux pas trahir les secrets de l'instruction. Vous ne pouvez pas trahir les secrets de l'instruction, mais la plainte date de 2011, comme vous l'avez si bien dit. Vous l'avez réactivée en 2020, soit 9 ans après. Pourquoi avoir attendu tout ce temps-là alors que vous pourriez la réactiver en 2015, en 2016, en 2014, pendant que Joseph Kabila était encore au pouvoir? Non, on n'a pas, je vous dis, hein, c'est trop technique. Pendant tout ce temps, je ne dis pas qu'il y a eu échange de correspondances, mais néanmoins, nous, on écrivait. De temps en temps, on demandait l'état des dossiers, on écrivait pour demander l'état des dossiers. Et aussi, il y a eu un fait qui a fait un déclic dans nos cœurs. C'est que Ngoï Kassangi ainsi que lui-même Félix et Joseph Kabila sont en train de mener une campagne aujourd'hui afin de demander à ce que les modes de scrutin pour le prochain président de la République soient revus afin que l'élection du président de la République puisse se faire au second degré. Donc vous voyez, dans un parlement corrompu, dans un parlement ici de la fraude électorale. Donc, vous imaginez les conséquences. Donc ce ne serait plus par les suffrages universels à les entendre, mais ce serait par un mode de scrutin au second degré. Ça, c'est encore une autre violation qui se prépare. Pour nous, ça tombe bien. On ne peut pas accuser les chefs de l'État intentionnellement, dire que non, il a l'intention de faire modifier la Constitution. Mais pour nous, on s'est dit, mais écoutez, puisque nous sommes la procédure indépendante, et nous allons veiller à ce que la Cour constitutionnelle puisse traiter les dossiers et évaluer tout ce qu'on lui a demandé et statuer, dire les droits, afin que justice soit faite. C'est ça la seule motivation qui nous anime à propos de ce sujet. Pendant plus de 9 mois, le peuple congolais y a signé des pétitions initiées, encore une fois, par le peuple et soutenues par l'unité des valeurs, y compris moi-même. Les deux plaintes consistaient respectivement
La première consistait à demander au chef de l'État d'ordonner à ce que nous puissions ériger un mur de sécurité à la frontière entre la RDC et le Rwanda, afin de sécuriser nos populations contre les incursions des terroristes venus du Rwanda qui viennent tuer chaque jour nos compatriotes. Parce que nous avons tout essayé. J'estime que nous avons tout essayé. On a essayé par les dialogues, ça n'a pas marché. On a essayé par les négociations, ça n'a pas marché. À un moment, nous étions contraints de prendre les armes, ça n'a pas non plus marché. Et puis nous avons dit, il faut ériger un mur tel qu'il en existe entre le Mexique et les États-Unis ou entre Israël et la Palestine. Il en existe aussi tant d'autres à travers le monde. C'est un mur de sécurité, pas un mur de séparation. Deuxième point, donc deuxième pétition, nous avons écrit au chef de l'État pour lui demander d'autoriser ou d'organiser les retours des éléments des ex-FAS, forces armées zaïroises, qui ont fui le pays lorsque l'AFDL est entré parce qu'ils étaient massacrés. Alors, d'autres ont trouvé la mort, d'autres se sont enfuis. Et derrière, et il y a aussi des professionnels de sécurité militaire et civile qui sont à l'extérieur. Il y a aussi les anciens gendarmes, les gendarmes. On a demandé au chef de l'État d'organiser les retours. Parce que n'oublions pas que notre armée du Tali Mobutu est réputée être l'unique armée au monde à avoir envoyé ses éléments dans les meilleures académies militaires à travers le monde. Voici ce qui a motivé les deux pétitions. Donc nous sommes allés déposer dans la matinée du 11 novembre et ces deux pétitions à la présidence de la République et nous attendons que le chef de l'État se prononce. Est-ce que vous-même, vous avez peut-être des contacts avec ces ex-FAS, avec ces spécialistes de sécurité du temps de Mobutu, avec qui vous échangez régulièrement? Ils sont prêts à rentrer? Je sais tout simplement qu'ils sont nombreux à l'extérieur. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux à l'extérieur. À travers leurs familles qui se plaignent, ils sont nombreux à l'extérieur. Mais quand vous demandez qu'on puisse ériger un mur de sécurité entre la RDC et le Rwanda, sur le plan diplomatique, ça peut quand même poser des problèmes. Mais sur le plan de sécurité, ça ne pose pas de problème. Sur le plan de tuerie, ça ne pose pas de problème. Donc nous allons nous soucier des questions diplomatiques pendant que les Congolais meurent midi, matin, matin, midi, soir. Tous les jours, les Congolais se font massacrer et nous allons nous soucier des problèmes diplomatiques avec qui? Avec Kagame. Mais Kagame, c'est un meurtrier. Vous voyez? Donc nous n'avons pas à nous soucier des questions diplomatiques avec les Rwandais. Nous n'allons pas sacrifier notre pays pour des questions diplomatiques, pour des considérations diplomatiques. Nous devons sauver et puis arrêter à ce que nos frères et nos compatriotes soient massacrés comme c'est le cas aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes presque impuissants. Il faut agir. Il faut un mur de sécurité. Si on n'arrive pas à faire un mur de sécurité, il faut qu'on trouve des moyens, il faut qu'on puisse arrêter tout cela. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Michel Okongo, mais en tant que juriste, je ne pouvais pas faire une émission avec vous sans pour autant vous poser cette question. Nous avons suivi le week-end l'éminent professeur Évariste Bouchab à Kolwezi dire qu'il est établi en République démocratique du Congo le régime primo-ministériel. Un régime où le premier ministre a plus de pouvoir que le chef de l'État. A le pouvoir exorbitant que le chef de l'État. Vous, en tant que juriste, quelle lecture faites-vous de ce point de vue du professeur Bouchab? D'abord, que ça n'engage que lui. Dans ce qu'il a dit, il y a vraiment un flou total. Je ne sais pas dans quel contexte il a fait ses déclarations et je ne connais pas les assimilations. Est-ce que c'est parce que le premier ministre contresigne avec le chef de l'État? Est-ce que c'est parce que le programme du gouvernement est conduit à la fois avec les chefs de l'État et avec à la fois les chefs de l'État et le Premier ministre,
Est-ce que ce sont là les assimilations qui lui font dire tout cela? Encore une fois, c'est, je crois que c'est fou, il y a un fou total. Ce qu'on appelle le fou juridique. Et l'histoire aura un mot sur ses compatriotes aujourd'hui qui fait des déclarations de cette manière. Alors que c'est un professeur, d'après ce qu'on m'a dit. Il a quelque chose à transmettre à nos étudiants. Vous ne savez pas que c'est un professeur. Comment? Vous ne savez pas que c'est un professeur. C'est moi qui ai cité les mots professeur. C'est okay. Moi qui l'ai cité. Ok. Hein? J'ai dit tout simplement qu'il a quelque chose à transmettre à nos étudiants. Alors, il doit éviter de flouter les situations. Hein? Et flouter les propos. Il faut qu'il soit clair, qu'il dise ce qu'il veut dire par là. Merci beaucoup, Michel Okongo. Votre mot de la fin. Parce que nous sommes arrivés à la fin. Les mots de la fin, je demande aux Congolais d'être sereins. Et surtout, je demande à chaque Congolais présentement de se revêtir de son esprit guerrier. Parce que le monde est devenu dangereux. Il y a le Covid-19. On sait que les esprits diaboliques nous ont imposé ça. On voit de très beaux visages aujourd'hui qui sont dissimulés dans des masques. Je me demande si certains Congolais ne dorment pas avec ces masques-là. Tout cela, ça nous est imposé gratuitement. Et nous avons les agressions de partout, au sud, au nord, à l'est, partout. Et tout le monde veut piller le Congo. Et tout le monde ne veut pas que nous puissions exister. Donc nous devons nous lever. Nous devons être derrière les chefs de l'État qui incarnent la légalité constitutionnelle. Voilà ce que je demande aux Congolais, c'est surtout de rester vigilants. Voilà les mots de la fin. Merci beaucoup Michel Okongo pour votre disponibilité. À chaque fois que nous aurons besoin d'avoir votre point de vue, nous ne manquerons pas de vous contacter. Et merci également à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, vous qui nous suivez régulièrement. Pour vous qui n'avez pas la possibilité de nous suivre en clair, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Sur notre chaîne Léonjo Léo, vous qui êtes déjà abonné, veuillez cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos différentes émissions. Vous qui n'êtes pas encore abonné, en regardant cette émission, abonnez-vous massivement pour ne rien rater de l'actualité de la République démocratique du Congo. Thierry Batondoko était au cadrage, exaucé Odinga, Russell et Yenga au montage. Salutations à Bijou Maïkani pour la coordination, pourquoi pas Odon Boulamba qui nous suit depuis la Nouvelle-Zélande. Vous et moi, on se retrouve à la prochaine.